Ici, vous commencez avec les premières saveurs autour de la pomme de terre de Noirmoutier. Sur votre gauche, un cornet glacé de pommes de terre. Ensuite, une chips croustillante et mousse chaude de pommes de terre. Ouais, et donc, dans cet ordre-là, de la gauche vers la droite. D'accord. Je vous en prie. Merci. Ici, vous continuez avec une friture d'algues vertes et sur le dessus, crème d'huître de Noirmoutier, à déguster comme une chips. Ici, vous avez l'âme de mulet fumée à la cheminée, à prendre délicatement avec vos doigts. Alors ici, vous poursuivez avec une tartelette, crème de courge du jardin et courge fermentée sur le dessus. Merci. Vous êtes sur le visuel d'une truffe au maquereau et café. C'est servi chaud et légèrement liquide à l'intérieur, à déguster en une seule fois. Donc toujours les mises en bouche. Sur votre gauche, vous avez pulpe de betterave du jardin et maquereau. Au centre, carottes, moules et chantilly et estragon. Et pour terminer, pulpe de fenouil et chair de tourteau. Et donc dans cet ordre-là, de la gauche vers la droite. D'accord. Je vous en prie. Donc ici, pour accompagner votre repas, vous avez le pain cuit et pétri par nos soins que l'on fait à base d'un levain naturel. On va faire une fermentation de pommes et un ajout de bière, ce qui va remplacer la levure. Vous avez le pain nature et le pain aux algues, le beurre à la fleur de sel de Noirmoutier et le beurre aux algues. Bon appétit. Je vous en prie. Après le bord de mer, en coquillage, vous avez donc moules, ormeaux, couteaux, vernis, les petits légumes marinés, le bouillon d'étri, le petit crâne, langoustine et homard. Bon appétit. Huître noire, une huître qui est inspirée de Erika, donc la marée noire. Elle est marinée dans un bouillon à base d'encornet et encre de l'encornet. Dessus, elle a pastille de sucre pour rappeler la nacre de la coquille de l'huître et la poudre de lard, le lard blanc italien, pour rappeler le calcaire de l'huître. Étant donné qu'elle est assez charnue, je vous conseille de la couper pour la manger. Bonne continuation. Alors, toujours ouvrir les huîtres un peu avant de les manger et verser la première eau, elle la refroidit systématiquement. Et avec le couteau, on met... Avec le couteau, la jamais plus loin. En aucun cas... En aucun cas, comme ça. Toujours comme ça. On coupe, on cisaille, on requin et on verse la première eau. Toujours verser la première eau. Elle la refait ensuite. Ah, d'accord. Voici le maquereau grillé à la braise sur le barbecue avec la vinaigrette au miel. Et dessus, vous avez les copeaux de radis blanc d'Aïcon de notre jardin. Bon appétit. Merci. Alors, merlan de ligne, pêché au large de l'Herbaudière. C'est avec une sauce donc avec les œufs de truite bio, copeaux de poire et cèpe, feuilles d'épinards du jardin. Bon appétit. Merci. Voici le canard de Chalande chez Madame Burgot, cuisiné avec les feuilles de choux de notre jardin, un jus de canard infusé à l'ail noir. Sur le dessus, le petit condiment au citron frais, vous pouvez utiliser comme une moutarde. Avec le canard. Bon appétit. Ici, vous êtes sur le principe d'une balade dans le bois de la Chaise, qui est un bois assez connu sur Noirmoutier. Vous avez crémeux et sable de chocolat pour vous rappeler la terre, biscuits au thé vert pour vous rappeler la mousse et crème glacée à la sève des pins. Je vous souhaite une bonne balade. Alors, biscuit à la noisette, crème glacée maison au potiron du jardin, potiron séché, potiron mariné, éclat de meringue au café. Bonne fin de repas. Donc ici, les mignardises, on vous conseille de commencer par les rafraîchissants. Vous avez orange, carotte et cardamome. À côté, un sorbet au Ricless, le soda à base de menthe blanche. Les sucreries dans l'ordre que vous souhaitez. Ruban de guimauve au bois de réglisse à partager entre vous. Meringue aux algues et cigarettes nature, tartelette au sucre vergeoise, caramel maison à la fleur de sel de Noirmoutier, pâte de fruits, betterave rouge et anis verte. Merci. Je ne pouvais pas faire avant. Félicitations, franchement, c'est absolument régal. Enchanté. Voilà, un souvenir. J'ai pas osé vous demander de venir en cuisine parce que j'aime bien, mais bon. Bah là, il n'y a plus rien à voilà. Non, non, non.